Salut tout le monde, c'est Little Nico, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour, sur Enola, The Cabin, qui est ma foi un jeu d'horreur, je pense que tout doit être bon. C'est un jeu que j'ai téléchargé sur le site IndieDB, je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Je regarde juste au niveau des options, donc on a que ça. Ça marche, j'espère que ça n'a pas trop ramé. C'est un jeu d'horreur assez spécial, vous voyez qu'on est à l'alpha. Et j'espère juste qu'il sera bien mieux que Into the Dark. Pas besoin de traduire là, j'espère, les gens. You should have come with me. It was nice, you know. At least you should have come with me once. Ah oui, faut que je vous passe en W, non, en ZQSD. Ça ne marche pas, mince. Ah non, non, me dites pas, pourquoi ça ne marche pas? Ah si, ça marche, voilà, j'ai eu peur. Ça est où? Donc on doit chercher Angelica. Ok, une histoire de lesbienne, on dirait. Donc oui, je disais donc c'était un jeu d'horreur, mais au départ je croyais que c'était un jeu d'horreur à la troisième personne, en fait c'était un jeu d'horreur à la... Moi je croyais que c'était un jeu d'horreur à la troisième personne, maintenant c'est première personne. Je déteste les jeux d'horreur. Là, vraiment je déteste ça. Ce jeu... je vais regarder un peu certains trucs. Elle est horrible. Il est horrible ce lustre. Ce jeu possède des scènes assez crues, assez cruelles. Ce que j'ai vu. Désolé pour les 20 images par seconde. Mais bon. Je voulais faire la vidéo maintenant. Don't tell me you're still in bed. Do you... Want me to come and wake you up? Elle est où le lit? Il est là? Ouais, j'ai de très mauvais pressentiments, perso. Angelica? Pas fermer la porte? Pas fermer la porte, putain. je ne sens pas du tout les gens, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Pas interagir avec ça. L'armoire, je ne la sens pas du tout. On peut pas interagir avec, d'ailleurs. Je m'étonne. Anything to do back there? Angelica, are you in there? Angelica! Angelica, are you in there? Je ne sais pas du tout quoi faire, les gens. On peut pas courir, on dirait, dans ce jeu. Petite musique. On t'a dans mon oreille. Je le sens pas du tout. Angelica. Ok, j'ai rien à faire là. Et là. Bon, je dois aller là. Vraiment désolé que le jeu rame. Mais bon. C'est un truc de fille, ça. You've always been there for me when I needed you. You made my life worth living. Ok. J'ai toujours été là quand j'en avais besoin. T'as fait en sorte que ma vie mérite de vie, enfin, tu vois, voilà. Sometimes I wish he had just killed me. D'accord. I feel bad telling you this because you were the only joy in my life. But that's how I feel. What's the meaning of this? Ouais. Who's he?
You're always nervous when you read the news. Is he the one everyone talks about? Angelica, where are you now? Ne retourne pas. Et cette musique? Arrêtez-la. Pourquoi un truc comme ça dans une maison de meuf? Enfin, je suis pas misogyne, mais bon, je... C'est assez bizarre. On a cette boîte à musique, d'ailleurs, il n'y a pas d'animation dessus. Je rappelle que c'est toujours une bêta, on dirait une maison, quoi boire. On vient d'avoir une clé, qui nous permet d'aller en bas. Ah, si on peut courir. Oh putain de ta mère! Oh putain! Oh ta mère! Oh putain! Oh putain! C'est cette porte-là. Non, non! Pas aller là, pas aller là. Ok, c'était là qu'il fallait aller. Putain. Il y a un fusil. D'accord, c'est juste ça. Il y a un fusil. Il y a un fusil, prends-le. Regarde, c'est quoi les photos? Un truc religieux, on dirait. Ça, c'est l'enfer, ça, par contre. Ah. En plus, le nom. Je pense qu'il doit y avoir des thèmes religieux dans cette chanson. Dans cette. Dans ce jeu vidéo. Comment elle a bougé? Ne bouge pas. La lumière! Allez. Il y a quelque chose de bien là-bas. Hein, les gens? Petite cinématique. Attendez. Ou c'est un chargement. Je crois que c'est un chargement, les gens. Mais... Waouh. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore tout vu du jeu. On dirait que mon ordi n'est pas assez puissant. Par quoi? Oh, d'accord. On dirait le... Ça, on dirait le bateau qu'il y avait dans la chambre. Et même les vagues qui ont été faites. Je rappelle que c'est une alpha, ce jeu. Je vais m'arrêter là, les gens. Est-ce qu'on peut sauvegarder quelque part? Non, on peut pas sauvegarder, bon, pas grave. Je n'ai rien vu pour l'instant. Mais je ferai une nouvelle vidéo. Pendant les vacances, quand je serai chez moi avec mon super ordi de la mort. Et je vais vous laisser là. Voilà, ce jeu-là est intéressant, avec une petite histoire, c'est gratuit, vous téléchargez, vous pouvez les soutenir pour que le jeu soit sur Steam, avec le système de Steam Greenlight. Voilà, donc c'était Enola The Cabin, avec cette fameuse Angelica, et malheureusement ça rame un peu trop, ouais je peux pas continuer, ou peut-être... Enfin, si les scènes, s'il y a des scènes qui se passent en intérieur, je pourrais peut-être continuer à jouer. Alors, les miroirs disent toujours la vérité. Est-ce que c'est pour ça que tu ne les aimes pas? C'est pour ça que tu les casses toujours et tu les... s'en va. Pourquoi tu ne te regardes pas dans le miroir? Pourquoi tu ne regardes pas à travers le miroir? Trois miroirs différents. Trois réflexions différentes. Si tu veux voir ce qu'il y a de l'autre côté, tu sais ce qu'il faut faire.
D'accord, donc je présume qu'on doit chercher trois miroirs. Jean, miroir que je vois là-bas. Is a very strange place. Ouais, je ne fais pas dire non. Mais vraiment, le jeu rame trop, je suis à 7 images par seconde, je ne vais pas. Je vais pas vous proposer quelque chose d'aussi moche. Je vais proposer au moins du 60 images par seconde, enfin 30 au moins. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez le tester par vous-même, le lien est dans la description. J'espère que vous avez apprécié ce jeu, moi j'ai hâte de voir la suite. Et je vous dis à la prochaine et surtout jouez bien ou bien. Je dis la merde, pas grave. Bye les gens!